m'appelle Souleymane, de nationalité guinéenne. Je suis arrivé en France par immigration clandestine, en passant par le Sénégal, le Mali, l'Algérie, le Maroc, la traversée de la Méditerranée, l'Espagne, puis la France, et plus précisément à Lille. Actuellement, je suis en alternance dans le domaine du bâtiment, dans le domaine du gros œuvre. À l'école, je fais une filière qui s'appelle Organisation et réalisation du gros œuvre. Du coup, j'ai été dans un chantier de Silva Greg à Ouescal, où j'ai fait un mois de stage, et après ce stage, j'ai été retenu en tant qu'apprenti. Je collabore avec Silva Greg, donc je suis dans les chantiers de Silva Greg. J'ai un côté artistique où je fais de la broderie à la maison. J'ai réalisé 14 tableaux en broderie et en peinture avec une technique qu'on appelle le monotype, qui raconte mon parcours migratoire de la Guinée jusqu'en France, que j'ai appelé mon chemin de croix. Donc avec ces tableaux, j'ai réalisé pas mal d'expos, notamment dans des festivals, dans des universités, dans des lycées, dans des portes ouvertes d'artistes un peu partout en France. J'ai fait aussi des maquettes de maisons parce que je suis très passionné par le bâtiment. Et pour moi, le bâtiment, c'est artistique. J'ai choisi cette méthode pour m'exprimer parce que pour moi, l'art, c'est un langage universel. Peu importe où on est ou peu importe où on a grandi, quand on s'exprime dans l'art, on peut être écouté un peu partout à travers le monde. Dans mon parcours, j'ai connu des choses très dures, mais je dirais que la chose la plus dure, c'est un jour qu'on m'a annoncé la mort d'un ami, au fait qu'on a traversé. On s'est rencontré dans le nord Mali, à Gao, parce qu'en général, lors d'un parcours migratoire, on bouge seul, on part seul, mais avant d'arriver au bout du tunnel, avant d'arriver à la destination finale, on s'est fait beaucoup d'amis, mais on perd beaucoup d'amis. J'ai eu ces nouvelles plus tard quand j'étais en Espagne au centre de séjour temporaire pour immigrer, qui m'ont dit qu'il était décédé lors d'un naufrage d'un Zodiac qui a coulé quand ils essayaient de traverser la Méditerranée. C'est une forme de thérapie aussi parce que avec les expositions que j'ai fait, ça me permet de me soigner en fait, ça me permet de me libérer parce que pour moi, tout ce que j'ai vécu lors de mon parcours jusqu'en France, c'est quelque chose que je ne peux pas garder pour moi. Plus je témoigne, plus je me sens à l'aise, plus je témoigne, plus je sens que je libère quelque chose à moi et que cela me permet de me sentir bien et quand j'en parle, ça me soigne. Donc c'est une forme de thérapie. Cette manière d'expression est raison pour laquelle j'en parle tout le temps et je fais des expositions presque tout le temps. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de projets artistiques. Après, c'est pas facile, c'est un peu souvent compliqué pour moi par faute de moyens et que j'ai du mal à pouvoir vraiment subvenir à tout ce dont j'ai besoin pour réaliser mes projets. Et actuellement, j'ai un projet d'écriture de livres aussi parce que c'est vraiment ce qui est important pour moi dans ce domaine, c'est parce que faut que j'en parle pour que je me libère de tout cela. Pour tous ceux qui veulent soutenir mes projets et m'aider à réaliser mes projets artistiques, que ce soit dans le domaine de la broderie ou du maquette ou pour la réalisation de mon livre, ça me fera un très grand plaisir. Tout cela me permettrait de pouvoir subvenir à certains de mes besoins, des besoins de base pour pouvoir continuer mes projets et les finaliser. Donc, j'en serais vraiment reconnaissant pour tous ceux qui veulent soutenir mes projets, qu'ils puissent me donner un coup de pouce. Chaque don est important, rien n'est petit.